Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors j'ai réalisé spécialement pour vous une pizza au thon simple et rapide. Pour réaliser la petite sauce, il va nous falloir une cuillère à soupe de concentré de tomate, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, une cuillère à café de paprika, de la ciboulette et puis des épices de votre choix. Pour la garniture de la pizza, j'ai utilisé deux boîtes de thon, quelques olives, du fromage râpé, du fromage de chèvre et enfin une pomme de terre. C'est parti, je vais réaliser la pizza avec vous. Alors je commence par la sauce. Donc je viens y verser de l'huile d'olive. Je viens y mettre mon concentré de tomate. Le sel, le poivre et le paprika. Je mélange. Je viens y mettre un peu d'eau. De la ciboulette. Vous pouvez remplacer la ciboulette par du persil. J'ai mis un peu de sucre pour l'acidité de la tomate. Ensuite, j'ai déroulé ma pâte à pizza que j'ai achetée dans le commerce et je viens y verser la sauce. Ensuite, je viens y mettre le thon. La pomme de terre que j'ai fait cuire à l'eau juste avant. Le fromage de chèvre. L'emmental râpé. Et les olives. Je vais pouvoir l'enfourner au four à 180 degrés pendant une cuisson de 30 à 40 minutes. J'espère que la recette ainsi que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour d'autres recettes. N'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Cuisine Erika et les ingrédients de la pizza est écrit en dessous de la vidéo en barre d'infos. Je vous dis bon appétit !